Salut tout le monde, je termine vite fait mes fiches et je lance le stream. Donc là je capte le mic.
Ok, je pense que tout est prêt là. Les fiches sont prêtes. Ouais, donc ce soir, E4A contre Curry A et E4C contre Danator D. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud? Que vous êtes chaud? Dites-le moi si vous êtes chaud. Je veux que vous soyez chaud. Je veux tellement que vous soyez chaud qu'on monte à 100 viewers. Ce serait bien, 100 viewers. Il y a moyen, hein, il y a moyen, mais bon. C'est assez difficile. J'ai l'impression qu'Eclipse a bug. Et moi, de mon côté, ça bug. Bon. Peut-être réinstaller mon navigateur après. Est-ce que chez vous, Eclipse a bug? Dites-le moi. Si ça bug, je vais arranger les trucs. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a Twitch en même temps. Hop. Voilà, donc on passe sur la fenêtre où on me voit. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que tu veux du déo? Tiens, c'est vrai que ça sent. Voilà. Ah non, c'est mon frère en fait. Secrétaire, vous sentez mauvais. Secrétaire, mettez un coup de déo. A12. Donc on nous dit A12. C'est pas la map B12 d'ailleurs. D'accord, c'est pas la map B12. Sinon sur le chat, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que ça va? Dieu parmi vous. Ah mon dieu, le déo. Le déo me pique les yeux. Alors, appelons notre assistant commentateur, c'est-à-dire Riri. Et le retour de Midnight. Nous avons Midnight qui est de retour. Il est de retour pour nous faire des nouvelles chansons. Salut, salut. Salut Riri. Comment va? Alors, comment ça va? Moi ça va très bien. Ce soir on est chaud. Il y a même Midnight qui est là. Aïe aïe aïe, Midnight présent. Aïe, il est revenu. Il va faire le show. Il va faire le show. Alors Midnight, chaud, patate. T'inquiète, Kay. Les matchs ont commencé ou... Les matchs n'ont pas encore commencé, ça commence à 50. Là, on peut discuter pendant 20 minutes tranquillement. Tranquille, tranquille. Mais non, t'es pas en forme. Mais si, t'es toujours en forme. T'es toujours en forme, Mid. Tu bois un coup et t'es en forme. oui. Oui, c'est mal placé, je sais. Voilà. Hop, comme ça, ça s'est bien placé. C'est beau et c'est propre. Vous pouvez vérifier sur quelle map joue E4A, s'il vous plaît, Riri. Je peux vérifier, s'il vous plaît, parce que je pense que c'était B12, mais en fait, ça doit être A12. Je me connecte directement sur le site et je te dis ça, parce que j'avais pas justement les simples encore. D'accord. T'inquiète, Kev. T'es peut-être pas en forme, mais tu sais chanter. Oh non, t'as passé les vacances de merde, c'est pas vrai. Non. J'y crois pas. Alors. Ah, t'inquiète pas, ça va aller. Bon. Alors, je regarde ça et je te dis... Et 4A contre Fury A en salle B12. B12. Bah oui, Luciol, il me dit A12 dans le canal Kills. Merci Kevin. Bah ils ont peut-être fait un changement de dernière minute, mais Non, bah, sur le calendrier c'est prévu en B12. Bah il l'aura annoncé je pense en rouge. À voir. À voir mon cher compatriote.
Je tiens cette épée d'une seule main. Je suis trop fort. Oh mon dieu. Elle va tomber. Elle ne tombera pas. En garde. Ça y est. En fait, c'est pas une épée, c'est une lance. C'est tellement grande que je préfère la lance. Je me suis envolé avec, c'est pas grave. C'est pas grave. Un trou de 1 mètre dans le sol, mais c'est pas grave. Mon fils, tu seras roi. Bon, je fais un petit coup de pub pour le stream et je me connecte sur le serveur tournoi. Ok, ça marche, je te dis de l'implémentateur, si vous avez les liens, parce que j'ai tous les liens, YouTube, Twitter, non pas Twitter, YouTube, Twitch, Eclipsia, et bah c'est tout en fait. C'est déjà bien. Ah bah oui, j'ai limité en caractère, donc je ferai un truc de 3 heures. On va réussir à caler cette toupie. Merci, merci, on applaudit ce beau renvoi. Est-ce que la musique est forte? Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que la musique est faible? Dites-moi ça. Cher viewer. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Tellement ils sont chauds là, ils ont tous dit ouais comme ça. Ils attendent le live de Midnight avec impatience. Bah Midi, il est pas chaud ce soir. On va le laisser tranquille, je pense, hein. Le temps qu'il revienne bien de vacances. Et dans 2 jours alors il fera son show. Dans 2 jours. Allez, juste avant qu'on commence les matchs, puisqu'on me l'a demandé, une petite dédicace à la guilde à Nikki, Trikaos. Ouais, la guilde Goto cherche. Hein. Il va demander, donc je la fais. Merci Kayana pour ce résumé des matchs. Donc, pour E4 A contre Curie A, bah, c'est aujourd'hui à 19h50, c'est ce qu'on va filmer. Après, c'est Jiva A contre E4 B, c'est Loriskay qui va s'occuper de ça. Ce sera à 21h30, donc on aura un gros moment de blanc. On regardera divers matchs, les matchs que vous voulez voir. Ensuite, Danator D contre E4C, c'est le match qu'on va filmer. Et pour CD, c'est E4D contre Aval B. Voilà, donc si vous voulez voir E4D, il faudra aller sur la chaîne de CD à partir de 21h30. Nous, c'est E4A et E4C. Et pour E4B... ce sera pas en direct, il faudra attendre que Loriskay upload la vidéo sur YouTube. En général, il fait ça assez vite. Avant minuit, c'est souvent sur YouTube. Donc, ça devrait aller vite. Ouais, j'ai pas pu m'arranger pour trouver un compte. Et puis bon, j'ai envie de dire stream de deux côtés en même temps, ça donne pas une meilleure qualité de stream. C'est pas top, quoi. Bah venons, je sais pas s'ils ont eu le choix, mais venant dans Kama, je trouve que l'organisation des matchs, c'est vrai que pour les streamers, c'est la grosse merde. C'est trop pourri. Et en plus, Sylph qui m'a pas donné d'accès. Ah mince, j'ai pas accès au serveur Gultar, merde, c'est quoi ça en fait? C'est le serveur de la bêta du Gultar? Je suis pas censé avoir accès, hein. Report him for streaming. Oui. Donc big avocator de avocatoration. Voilà. Dites bonjour à big avocator de la big avocatoration. Big. Un bug sur son son. Non, il n'y a pas de bug, cher Luciole. D'ailleurs, je vais faire un pour la horde. Voilà, pour la horde. Comme ça, les gens, ils vont se demander quoi. Ils vont même payer. Et va voir la pub. Bah non. Akidia nous affirme que Mid a dit qu'il allait chanter ce soir. Mais je pense que c'est plutôt Kidia qui veut qu'il chante. Donc moi, je propose que Kidia vienne chanter. Ah, Kidia qui va chanter. Oui, pourquoi pas. Allez, Chacha, tu peux le faire. Chat.
Mais je dis c'est chat qui va chanter. Nous on anime, chat et s'occupe de la chanson. Au pire, chat et Jules. Ah ouais, les deux, les deux temps, qui chantent. Ils font un duo. Oh, tu nous tireras pas les oreilles, t'inquiète pas. Ah, merci bon, demain, pour la pub, ONG. Non, moi je ne chante pas, je m'occupe déjà d'animer le stream avec Big. Chacun son taf. Exactement. Riri, il commente. Moi, je fais le con. Et après, il y a la place pour les chanteurs. Voilà. Merci Kev pour cette cette suggestion. Ouais, exactement. Ah là là, ce petit coquin. Allez hop, ça en bouge. Alors. Ah, on te demande ta copine de l'autre fois, elle est où? Elle est pas là. Ah bah voilà, Mika, tu la dragueras pas celle-là. C'est la copine de mon meilleur ami. Donc, on va pas chercher loin. Stop it! Vous ne passerez pas! T'as compris? J'ai dû faire ça avec quelqu'un. Ah merde, j'ai tout raté là. Chier. Masse non, alors! Je ne chanterai pas, Kidia. Ce soir, c'est toi qui vas chanter. Et Mika qui a le seum sur le stream, ça y est, il est dégoûté, je lui ai cassé son cou. Bon, je veux voir si j'ai un SMS pour changer de lunettes, parce que vous avez vu, mes lunettes, elles sont super bien, elles sont tellement bien qu'elles n'ont qu'une branche. Ah bah bravo. Là, je les ai cassées en plein live, juste le dernier jour de la LAN en plus. OMG quoi. Non, Bastien, il est pas là. Il est encore deux semaines en train de faire l'éducateur. Il garde des gosses. Ah, le pauvre. Ok, il est 19h41. Vous pouvez encore faire tourner pendant 9 minutes. Là, il est le temps. Pendant ce temps-là, nous, on essaye de ramener le plus de monde possible. D'ailleurs, je vais envoyer un message sur Twitter. Et Riri, tu vas me RT. De quoi? Tu vas me RT. Ah, je n'ai pas de Twitter, moi. Tu n'as pas Twitter. Comment oses-tu? Va créer un compte Twitter, tout de suite. Allez, oh. Tout le monde a Twitter, maintenant. C'est pas possible. Ouais, non, non. Très mauvaise idée, ça, Kay. C'est le lien du stream qu'il faut faire tourner. Hop, voilà. Et c'est parti. Bon, je vais mettre quoi en message Twitter, sachant que j'ai 100 caractères de disponibles. 100 caractères. Ils sont pas chiants, avec la limitation de caractères. Ah, mais c'est à cause des téléphones. Ils disent, ah, y a pas de place pour le téléphone, alors voilà, c'est tout. Bah, plus plus, au revoir. Sinon, ce sur Twitch, vous pouvez aussi parler sur le chat. On vous voit, vous inquiétez pas. On voit même sur le stream directement. Je sais, je vous parle en regardant à côté. En fait, c'est une nouvelle façon de commenter. On parle comme ça maintenant. Vous voyez, on commente comme ça. Sans regarder. C'est une nouvelle façon. C'est révolutionnaire. Merde, j'ai tourné la tête. Aïe. Non. C'était pas... Je me suis pas fait mal. Je vous rassure. Bon. C'est parti pour la soirée. Ah, Niki, elle abuse. Elle a pas entendu sa dédicace que je lui ai fait. Elle me demande de la refaire. Donc, une dédicace à toi, Niki, et à Trikaos et ta guilde. Voilà. En direct sur Online Multigame. Hashtag Eclipsia.
On est combien sur le stream, Riris? Tu peux me dire, s'il te plaît? Ouais, on est 23 pour le moment. 23, c'est très faible, je trouve. On est de moins en moins. Pas bien, les gens. Ouais, faut motiver les gens à venir, là. Je suis pas fier de vous, là. Pas de plus. Il est sur le chat. Ah, du coup. On est très nombreux. C'est bon, Riri, t'as créé ton code Twitter, c'est bon? Ah non. J'en peut-être un, mais pas pour le moment. Pour le moment, j'envoie des MP à des amis en leur donnant l'adresse du... Enfin, le lien du stream. On va faire part. Ok, ça marche. Je vais vous envoyer le lien Twitter. Si vous pouvez faire des RT, ce serait bien. Comme ça attirerait du monde. Voilà. Hop. C'est sur le chat de Eclipsia. C'est sur Twitch, je vais vous le donner aussi. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur Twitch, mais qui sont très, très discrets. Ah, d'accord, j'ai été déconnecté de Twitch, super. Hop là, et on se connaît. Voilà. Mon t-shirt plus vite, donc mon truc. Là. Bon. En fait, DRT, il y a moyen d'en faire pas mal. Plus le nombre... Ce serait bien de faire 10 RT, ce serait bien d'arriver à 10 RT, ce serait un nouveau record pour moi. Sachant que mon ancien record est 2, c'est pas dur à battre. Ça fera 5 fois l'ancien record. C'est ça, voilà, il faut pulvériser l'ancien record. Bon, ça je réduis... Il est 46, on va commencer à faire la présentation des équipes. Donc, c'est cette fiche-là. Alors, ce soir, messieurs, dames, E4A, 158 points, Excitor Diagnostic plus Tiel, Vénus ou Hérésia, on ne sait pas qui va jouer. Ils ont 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 heures que tout le monde connaît, hein, vous êtes tous... présent ici, vous savez tous que le match nul était un véritable enfer pour nous et pour eux. Vous pouvez demander à Riri. Oui, un enfer à commenter et pour les joueurs, un enfer à jouer. Hein. Surtout pour la team de Luciole qui, eux, voulaient de l'action. Tomber sur 2 teams de Lopette. Ah ouais. Alors, ensuite, Curie A. On les a déjà vus, hein. Curie A, il me semble. 137 points. Punkai. Punkawi. Snasher. Nirvana. Xelatizen. Ouais, on les a déjà vus. Xelalizen. Alors, en le remplaçant la grube Stick Mou. Oui, Stick Mou. Bah, rappelez-vous Stick Mou, là. Bah oui, ils ont déjà joué contre E4C. Ah! Stick Mou, ça me dit un truc, donc forcément... Ouais, ils ont déjà joué contre E4C, on les a streamés, rappelle-toi. Après, les noms, voilà quoi. Litania, mais... Extreme Game, ils ont donc un match nul, une défaite et 2 victoires, dont une victoire avec un mort. Le prochain match est donc dans 4 minutes. Voilà, donc pour la présentation des équipes, c'est fait, c'est bien. C'est bien et c'est bien fait. Voilà. Là, je dis beaucoup la même chose. Hein. Je sais. On va commencer à mettre le mode spectateur pour voir s'ils ont lancé le combat. Là, ils sont en train de voir la map. Ils se sont entraînés hein, pour un match comme ça. Sachant que E4C ont joué contre eux, je suppose que E4C ont une stratégie pour pouvoir les vaincre. C'est ça qui donne un avantage pour E4, je pense.
avoir commencé à jouer. On va voir ça. J'espère un bon match avec de l'action, surtout pas des lopettes qui se cachent. Enfin, vu la map, j'ai été faire un entraînement avec une des teams des 4 et vu la map ici, je pense que le nul ne peut pas être possible. Ah oui, sinon ce serait nul. Ah non, mais vu la map, faire un nul sur une map comme ça, ça va être dur. À moins que les deux équipes courent dans tous les sens, mais à l'opposé, tu vois. Mais ça m'étonnerait, hein, Diagnostic Scyther, ils en ont marre des nuls. Le sol et Vénus. Bon, bah apparemment, c'est pas Ereza qui joue ce soir, c'est Vénus. En fait, les deux matchs qu'Ereza a joué, ils ont fait match, ils ont fait nul. Et les matchs que Vénus a joué, ils ont gagné. Ouais, du coup, ils ont gardé Vénus. Tout simplement. Je sais bien, la mitraillette. Je vais voir si j'ai eu des RT. Est-ce que vous avez fait des RT, les gars? Vous avez pas fait de RT? Putain, je suis déçu. Je suis déçu! Pourquoi? Pourquoi vous faites pas des RT? Je vais essayer de voir combien on est sur l'équipe. Ça, c'est chiant. Je peux pas le voir. C'est relou, vraiment. Attends, je vais te dire. Nous sommes pour le moment 28. Ça a monté un petit peu. Ça monte petit à petit, mais c'est pas encore... C'est pas encore assez. C'est ça. C'est pas encore le must of the world. En plus, on vous conseille de suivre le stream parce qu'à un moment... il y a Subrevana sur un des streams, on sait pas encore lequel, il fera une annonce et au bout d'un certain nombre il lancera de viewers, il lancera un concours et il y aura un tutu à gagner. Ouais, d'ailleurs Sub, j'inviterai juste après le match pour, je sais pas si c'est aujourd'hui, mais pensez à suivre régulièrement parce que Sub, il en drop des tutus, donc il s'en fout, il pourra en balancer lors d'un concours sans problème. Oh, il est pas comme certains à balancer un bulbis par terre. Hein. Je vois de qui tu parles. Oui, oui, on balancera pas de nom parce que bon. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui voient de qui je parle en effet. It's time! It's the time of the world! I'm the one, the world! Allez, go! Go! Virez-moi ce mode spectateur, s'il vous plaît. Curie, Tekobin. C'est Tekobin, c'est qui, lui? What? Mais non, Mid, ça, c'est pas du jeu, ce que tu veux faire. Ah, et ninja et tout, là. Ah, ça y est, le match va se lancer. Smash. Ouais. J'ai l'impression de... En fait, il y a un des mecs qui a changé de pseudo juste avant le match. Ah, d'accord. Je me disais, mais what the fuck? Pourquoi il y a un nom que je connais pas? Vas-y, est-ce que je me suis trompé dans les fiches? Merde, alors. Ouais. C'était Nirvana du vrai nom. C'est ce qu'ils disent en équipe. D'accord. J'ai commencé à observer ce qu'on appelle l'observateur. Et on met le mode tactique. C'est vrai que c'est une belle map, hein, une belle map plus. C'est très sympa à voir. C'est pas évident de courir dans tous les sens avec une map pareille. Ah, je te l'avais dit, hein, j'ai fait un entraînement avec une des équipes des 4 et... Vu la map, ça va être dur de faire un nul, hein, sur ça. Enfin bon, le but c'est la victoire, c'est pas le nul. Ah, va dire ça aux gens qui jouent le nul, hein. D'ailleurs, je trouve que Ankama devra faire quelque chose contre ce genre de stratégie qui gâche un petit peu les matchs. Ouais. Ouais. Attends. Quittage de mode spectateur, je vais enlever la position.
de la map parce que c'est très relou, c'est caché par mon logo. Et ben maintenant c'est bugué, j'aime bien. Just wait some time. Voilà. Le match a lieu en B12. Enfin, voilà. En arène B12. Le match in the battles of the B12ation. Voilà. Salut Chigo et Chigo. Comment vas-tu? Alors est-ce que t'as téléchargé Trackmania? Tu me diras ça plus tard. Salut Astian. Ouais, Astian, salut Chigo. Ok. Bah salut. Ça y est, pour le moment on est 34, ça y est, ça commence à monter. Astian, c'est un vétéran du stream, hein, comme Kikas. Kikaski. Il m'a offert mes premiers tips. Super, ça va super. T'inquiète, je gère la fougère avec Riri. Ça va très bien, on est chaud pour commenter les matchs. En espérant que ceux qui font les matchs soient aussi chauds pour faire des belles actions. Ouais. Espérons qu'ils soient chauds pour la victoire. Chacune des équipes qui se bat pour la victoire. Ça va bientôt se lancer. Il est prêt. Dédicace à moi, merci, ça fait super plaisir, merci Sky. Dédicace à SkyTor, dédicace à toute sa team, Luciol, Diagnostic, Venus et Erisia. Dédicace à tout le monde, voilà, paf. Ouais, dédicace à la team de SkyTor, Lulu, Venus et Diagnostic, voilà. Alors là, c'est E4A contre Curry A, vu que tu nous as rejoint, Chigo. On demande ce que tu links le stream, je vais le faire, je le fais. Assistant, occupez-vous de ça. Ça y est, le match se lance. Et c'est Luciol qui prend Lini. Luciol qui va ouvrir le bal des bombes. Très important. Un coup de botte sur Snasher. Snasher qui va sûrement se faire attirer par le roublabot et se faire expulser par le roublabot par la même occasion. Pour le mettre à jouer complètement à l'opposé de la team. Et ça va sûrement servir à immobiliser Xelatizen. Voilà, donc ça c'était prévisible. Xelatizen qui va devoir soit transpose pour sauver son ami, soit attirant s'il transpose quelque chose. Enfin, s'il détourne quelque chose, je veux dire. Ouais, en effet, il lui suffirait d'invoquer une épée, détourner l'épée et attirer, par exemple. Oui, et le roubleur se finirait sur la case où ma souris est. Mais. Je pense pas qu'il va se risquer à utiliser une transpo le premier tour. Enfin, à voir comment ça va se jouer. Bah déjà, je me rappelle de lui, il dort. Ok. Alors il pose une carotte et au final, bah il a décidé de se transpo. Bon bah. Ouais. Ah mais c'était. Bah c'était prévisible, mais. Bah personnellement, j'aurais été à la place de Sacré, j'aurais fait attirant. Ça aurait permis. Parce que là, de... il s'expose au vulné directement, c'est pas très. Pas très malin de sa part. Et en plus, ouais. Xelatizen, il met 3 plombs à jouer. Rappelle-toi au dernier match. Je me rappelle plus trop, mais. Parce que j'en ai vu plusieurs des Sacré qui mettaient du temps. On verra bien. Oh, bien joué. Stabilisation qu'il met en état enraciné. Et ensuite, double vulné qui le met donc à moins 22, moins 3, moins 12, moins 6 et moins 3. Donc il a aucune résistance dans aucun des éléments. Et plus ça va rappeler le rush là, ça se voit, ça y est, on voit ah que... Ah oui, bah là, depuis le dernier match, les 4A jouent le rush à mort. Ils ont compris que c'était la réponse à tout, le rush. Et c'est... Voilà, le roublard ennemi. Donc ah, le roublard qui doit être en archétype. Si je me rappelle aussi, Curry avait double archétype. Je sais pas si je me rappelle comme il faut. Enfin, on verra. Je pense que l'ennemi a un archétype aussi. Ah.
Il nous dit arnaqueur d'Ian Guild qu'ils avaient fait pareil pour eux. Ils vont péter les lignes de vue avec des caouettes, ils avaient fait pareil pour eux. Voilà. On verra bien. Oui. Oh, par contre, il a pris cher avec les vulnés, le sacré, là, déjà. Ouais. Bah, arnaqueur qui donne des conseils, hein, au guild. Très intéressant. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de vrai grade 10, hein, Kay. Des invocations sur la... Ouais, la terre de la bombe qui va tomber, je pense. Et une accélération sur le sacré. Et un sac animé. Ça joue beaucoup sur les invoques, hein, du côté du curry. On le voit. Ensuite, on repousse Vénus. Vénus qui va pouvoir rush, donc... Oui, pas vraiment repousser, du coup, parce que l'appel, c'est bien placé. Je vois pas à quoi elle va servir, cette appel, en fait. Il aurait été plus rentable à faire maladresse, quoi. Assistant à boire. Assistant, je sais pas. Cherchez à boire, je sais pas, vous verrez. Et deux boliches sur le sac animé qui tombe. Pour finir avec une maîtrise des armes. Oui, allez, le retour de la Féca. Bon, la Féca, on sait déjà ce qu'elle va faire, hein, à mon avis. Oui. Ouais. Bah, le sacré est... Sacré. Ah oui, d'accord, il greffe même son ami. Pourquoi pas? Elle tue la tornabombe avec un autre développement. Faut dire que la tornabombe était assez exposée, hein, comparé à l'explobombe de la team de Curie. Et une trêve! Trêve déjà? Dès le premier tour, une trêve! Oula! Mais ça joue sur l'érosion, hein! Allez hop, Luciole, fais-nous des tromblons! Paf! C'est exactement ce qu'il va faire, je fais beaucoup de percours sur le sol et je connais sa façon de jouer. Allez, go jouer l'érosion, en plus un sacré érodé, ça ne sert plus à rien. Si, ça sert quand même, parce que par exemple, admettons que le sacré, il lui reste deux points de vie, enfin, il soit érodé, la punie, elle fait toujours aussi mal à 50%. Elle fait pas mal en fonction de sa vita, mais... Oui, mais c'est plus facile de tomber en dessous des 50%, ce que je veux dire. Ah oui, oui, ça... C'est chiant ces lunettes cassées là. Dommage, je change de lunettes. Au sacré de jouer là. Allez. On va voir ce qu'il y a à nous faire. Le glyphe d'aveuglement qui fait perdre un PA. Au sacré. Coopération. Okay. Il sort skater de la glyphe. Pourquoi pas? What the fuck? Un châtiment régine et un châtiment spirituel. Donc il se remet 10% d'érosion supplémentaire. Il éloigne skater. Et pour quelle raison? Ouais, il a raison, arnaqueur. Il kiffe les rôles, sacré, c'est pas possible. Attends, je vais remettre le chat de guild. En plus, Skater a une. Voilà, il a une zone vagalame. Allez, hop. Et bim, bim. Hop là. Et paye ta zone marteau, comme j'ai bien dit. Intéressant. Je vais activer le canal guild, là, ça parle pas de stratégie, donc. Ça peut donner de l'ambiance. Ah oui, en effet, Ah oui, j'avais pas vu ça, mais il y a une belle zone marteau pour Diag. Ah bah oui, hein, diagnostic, il va se dire... Allez, vas-y, place-toi pour la zone marteau 100%. Je rigole, s'il faut. Ah non, il bloque la ligne de vue de... Poudre. Ce qui rend, si je me trompe pas, la bombe en état... Indéplaçable. Voilà. Et en plus, si elle pète, elle pète. Du coup, diagnostic ne peut pas passer. Et il se retrouve confronté à une bombe qui a 836 points de vie. Nous sommes combien sur le stream, mon cher ami? Alors, nous sommes 43. Ah, ça monte, ça monte. Ça monte, c'est bien. On est dans la moyenne. Il y a moyen de faire plus, les gars. Faites tourner, faites des RT sur Twitter. Sur Facebook, hein, sur Facebook, il y a moins de monde en fait. C'est quoi à dire. Et Tete Koba qui perd 2 PA avec le mot drainant. C'est pas mal. Et c'est Alenu Grub de jouer, décidément elle est pseudo. Avec un coffre.
Moi, ouais, bah il cherche à voir le tuto, hein. Le tuto de Luciole. Il peut toujours courir. De toute façon, Adrien, il fait pareil. Allez, une caouette. Ah, il l'avait dit, Arnaque l'avait dit en guild qu'ils vont bloquer les lignes de vue avec des caouettes. Ouais, ils font tout pour gêner la team. Hein. Ils font vraiment tout pour laisser les bombes chargées au loin. Et après, avec le sacré, mettre les ennemis dedans. Les ennemis qui sont en l'occurrence nous. Oula, Vénus qui perd 3 PA avec le build d'aveuglement. Ouais, ça fait mal pour lui ça. Là il réfléchit. Allez, joue quand même Vénus. Il reste plus beaucoup de temps. Ah ça y est, il se décide à jouer. Alors masque de classe, plastron. Il va certainement sortir de la griffe. Bah, il réfléchissait pour autre chose, hein, je pense. Mais il avait oublié qu'il n'avait pas fait plastron. Ça arrive, ça. Allez. Ah, la FK qui repose une griffe. Bon, je sens que celle-là, elle va vite faire chier. Ouais. Et en plus, la team de Skyter ne peuvent pas passer du côté droite. Une fraction sur le sacré, sur les nus et sur elle-même. Ok. Par contre, d'avoir claqué la trêve dès le début, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, mais ça, j'ai full érosion vu les armures qu'il vient de mettre. Le sacré a combien de pourcents d'érosion là, concrètement? Avec ses châtis déjà 10 40%. Et avec. 40. Ouais. Mais il me semble qu'il y a une limite donc. Bah, c'est limité à 50, mais il y a les 10% de base donc du coup il est à 50 là. L'érosion. Il met 13 ans. Par contre, Luciole est un peu explosé à mon goût. Ah bah, Luciole là il arrive, il veut vraiment rush. Hein. Remarque, la bombe à eau est quand même bloquée. Donc du coup, le roublard de Curie ne peut pas faire grand chose avec cette bombe. C'est auto-bloqué. Il tape l'épée de sommeil sur Lulu et il le pousse dans la griffe. Oui, ouais, bah ça joue. Ça joue beaucoup regroupé hein, du côté de Curie, j'ai l'impression. Ils veulent toujours rester ensemble. C'est mignon d'ailleurs. Après, t'as Skytor qui va arriver, il va tous se disperser dans toute la salle. Ah bah c'est son rôle hein. Et après, ils vont pleurer. Il a porté Vénus, et il va certainement porter Diag, voilà. Ah bah oui. Oula, ça va, j'ai full corps à corps là, le match va être quand même explosif. Explosif avec les roublards, c'est un petit peu normal, je dirais. Oui, d'ailleurs, c'est au tour de ce roublard de jouer du roublard de Curie. Une flamme sur le Panda Wasta. Oh, mais bien placé en fait le Panda Wasta. Il me semble si le roublard était allé à l'archétype, là, il pourra pas. Ça va plus vite. Remarque, oui. Une botte. En étant au corps à corps, il peut pas faire grand chose. Et un tromblon de l'érosion. Ouais. Ouais. Mais remarque, il a mis de l'érosion aussi sur son sacré, quoi. What the fuck? Il est roi sans sacré. Il a héros sans sacré. Je pense que le sacré, il est full. Il est full érosion, là, 95%. Bim! Et diagnostic qu'ils en profitent pour mettre un coup de marteau des steamers. Mais le sacré qui est donc à 4087 points de vie. Sur 4500. Il a déjà perdu 1000 de vie. Le mot de silence. Le PK, l'ENU perd 4 PA. Le sacré, 3 PA. Ça, c'est tout bénef pour E4. Ça leur fait limite perdre un tour à Curie. Allez, l'ENU qui a joué donc. Bref. Et le coffre qui fait pas grand chose, hein.
Et là, c'est au tour de Vénus de jouer. Vénus qui va sûrement éloigner le roublard. Non, ça va jouer deux poux. Et voilà, je vous l'avais c'est dit. Quoi ce coup de bloc? Deux poux. Oh, le sacré qui prend très très cher en vita max. Oh putain, ouais. Érosion. Et en plus, comme il prend cher en même temps que la vita max, ses pourcentages de points de vie ne baissent pas. C'est voilà. Justement ce que je te disais à ce propos-là. Ouais, en même temps, on va dire que le roublard de Curie a carrément érodé son propre sacré, ce qui a évité à Luciole de relancer l'érosion. Salut à toi, Kieron, bienvenue sur le stream, sur le Gulp Terminator entre E4A et Curie A. Comment vas-tu? Coucou, Kiki. Ah, il y a Adri qui demande à ce qu'on l'invite sur Skype. On l'invitera après le match. Donc voilà. Les posaïs là. Après le match, mon... Mais je te l'avais déjà dit tout à l'heure que je t'inviterai après le match. T'étais pas sur le stream. T'es sûrement pas sur le stream. C'est pas bien ça. Il devait être encore en train de dropper. Hein. Ah oui, hein, toujours à dropper. Tu... Je suis sûr que t'en as chopé 3 le temps que t'arrives. Seul qui prépare un petit mur de bombe. Bon, on se demande si au final il va vraiment être utile parce que quand on voit la vita du sacré déjà. Ben, pour Skytor, tu peux balancer les ennemis dedans. Ça peut être bénéfique. Ah, d'accord, t'étais. T'inquiète pas, je t'inviterai après le match. D'ailleurs, j'inviterai les invités après le match. Histoire de mettre un peu d'ambiance sur le long temps qu'il y aura entre ce match et le suivant. Et le suivant qui est à 21h30, c'est-à-dire dans 1h20 quand même. Et ce match, à mon avis, là, qui a lieu, va se jouer très très vite. Hein, ça va... Déjà, le sacré a pris très très cher de Vitamax. Et c'est au tour de Skytor d'ailleurs de jouer. Allez, Skytor qui perd 2 PA dans le glyph, 3 PA, non, 3 PA c'est l'épée volante, j'ai eu peur. 2 PA, 1 PA. Qui se pend dans le cul. Donc il y a 3 PA, pendant le cul, le roublard de Curie est séparé de ses alliés. Vulné CC, deuxième vulné CC. Ouh. Ah non, souillure CC. Souillure CC, c'était très bien placé. Et en plus, le Wasta qui se place à merveille, de toute façon, il pouvait se placer de l'un ou l'autre côté, c'était pareil. Ah oui, c'est vrai que Bot, ça pousse comme ça. Mince alors! Ah, ils ont réussi à mettre... J'avais pas vu, ils avaient réussi à mettre Vénus dans les bombes. Un chauffeur. Ouais. Ouais, enfin, Vénus, il rigole. Chauffeur hein. Level 1. Vénus est dans les bombes, mais il rigole. Regarde, il fait pas grand chose. Il perd pas grand chose. C'est surtout que Vénus va pouvoir sortir des bombes et Apo le sacré, par exemple. What the fuck? Mais c'est vrai que Vulné plus Souillure, c'était pas intelligent. Enfin, après, si c'est des petits faits là, qui arrivent de temps en temps, ça va pas être dramatique. La pression. Ouais. Sachant qu'ils sont streamés par Roca TV en plus. Ah, il dit qui... Oh, qui éloigne le roube. Ah, oui, d'accord, qui éloigne la bombe. Ouais, bah oui, forcément. Pour éviter que Vénus prenne trop de dommages, il faut faire ça. Et c'est au tour de Grub de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Une corruption sur Skytor. Corruption sur Skytor. Ouais, bah de toute façon c'est le seul, ou bien, ouais, c'est le seul qui peut courir. Sinon il y a les debuffs qui jouent après. Mais je suis pas sûr que d'avoir Corus Skytor à ce tour de jeu était une bonne idée, pour le moment ils sont encore... Enfin on verra, mais il aurait peut-être dû garder sa Corus. Écoute, on a vu 4A contre Otomai A. L'ennemi a lancé sa corruption trop tôt et regarde, ils se sont fait exploser. Surtout l'ennemi s'est fait exploser. Ah, Vénus pète la bombe en fait. Un coup de rapier au glyph, un coup de bolish et il n'y a plus
de bombe overboost du côté de Curie. Reste plus qu'une bombe semi-boost. Je suis toujours fatigué, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je dors 4 heures. Alors. Autour de la Féca, qui va certainement, on sait déjà, reposer une glyphe. Bah oui, forcément, hein. Il y a 3 PA réservés pour les FK. Après, t'as des PA en trop, tu fais mise en garde, forcément. Elle va peut-être mettre une glyphe d'Imo aussi. Ah non, elle ne choisit pas, donc. Ou alors elle mise en garde pas pour garder les cartes, les coups des types. Diag qui prend cher quand même. Ah oh, putain, Diag a perdu 3 PA. Vénus a perdu 3 PA. Aussi quoi. Ouais, voilà, mise en garde, on l'avait dit, hein. C'est ça, deux mises en garde. Mais l'effet K, c'est pire que Dexel maintenant. Vous avez vu, hein. L'effet K, ouais, enfin... c'est magnifique glyphe bleu. Enfin, c'est leur FK, il faut le retrait, il représente pas vraiment un danger au niveau et du rock. Bim ! Bien joué de la part de Luciol ! Ah ça c'est super bien. C'est beau, oui, comme dit Jubia, c'est très beau ce qu'il a fait. Et en plus de la tisane qui prend et qui perd pas de vita, parce que sa vita max descend en même temps, donc... il doit être à 70% de vita max, ça je pense. Ah je dirais ouais. 70. Ah oui, punaise, il a perdu beaucoup hein. Ah oui, il perd vite et bien. Il a toujours les 95% des roses. Non, 35, c'est passé à 35. Coopération sur diagnostic. Ouais, rien de bien méchant, hein, j'ai envie de dire. Skater qui ne jouera pas vu qu'il est couru, je rappelle. Ah, le sacré et feu aussi. Faut pas me dire qu'il y a 3 équipes. 3 équipes, c'est limite insultant, là. Ça ferait pitié. Exact. Bah oui, Skater qui ne peut pas dégager diagnostic, forcément. Dernier souffle! Ouh, le roublard prend de gros risques. Ouais! Pas qu'un peu. Il va se faire focus, là. Ok. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait une belle connerie. Expliquez-moi ce qu'il a fait, s'il vous plaît! Oh bah, il est D4 en fait, je crois. Je crois aussi. Merci Roublard pour ton aide, on en a pas besoin, mais merci quand même. En plus, c'est stream par Anka TV, tu sais. Ça se suicide. Attends. Ouais, laisse tomber, il fait n'importe quoi, ça se suicide. What the fuck? Sérieux? J'avoue que là. Et voilà, Lenu qui va prendre un petit coup. Mec, il se met sous dernier souffle, il pète tout le monde, il s'est fait insulter ou quoi? Il dit, oh ça, c'est comme ça, allez hop, boum! Ah, et en plus, il a debuff les nus parce que mon 3 elle a duré des effets. Ah, une retraite. Ah, les bombes étaient sous surcharge? Bah, apparemment, c'est ce qu'ils disent, puisque c'est ce qu'ils montrent, mon 3 elle a duré des effets. Ouais, enfin une retraite. Moi, je rappelle que Skytor peut se debuff lui-même. Ouais, bah pareil pour Diag. Et puis bon, Vénus. Ah, mais non, mais nous assistons à quoi comme match, s'il vous plaît, là? Alors, Sacré, il debuff, mais Vénus peut toujours foutre le Sacré dans les glyphes. Hein. Est-ce qu'on est dans un combat Coliseum? Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est un mec qui a été frustré, il s'est fait insulter, ça y est, il fait péter tout le monde sur sa team, là. Non, pas ça l'esprit du Ghoul Terminator, oh là là, attrapez-vous s'il vous plaît. Allez, mon 3 PA. C'est bizarre, cette FK me rappelle un FK que je croise souvent au Perco. Et glyphe d'aveuglement pour pas changer les habitudes. Mise en garde sur Smasher, mise en garde sur Xelatizen. Xelatizen qui a 2711 points de vie et 3698 Vita Max. Ouais,
Il a perdu beaucoup, beaucoup. Hein. Non, mais trop pour un sacré. Beaucoup trop. Allez, c'est à Luciole. Allez, qui repasse son petit tromblon, tranquille. Ah, bah Luciole, il pourrait éventuellement le mettre dans un mur de bombe, hein, je pense. Il a pas de PM ce tour-là, hein, Luciole. Il a la retraite, donc... Ah oui, juste. Kaboum. Et voilà, qui perd les PA grâce à son propre FECA. Que c'est joli. Il se retrouve en 8 PA. Et il fout Vénus dans les glyphes. C'est pas nous qui l'avons dit, sa chaîne. Et c'est sur le Twitch. Est-ce que vous êtes chaud là sur le Twitch? Je vois personne parler sur Twitch. J'ai balancé le nom du FECA auquel ça me faisait penser. Ce sacré Natsu. Alex Zalatizan qui fait une maîtrise et qui passe son tour. Ouh putain, ce qu'est-ce que c'est, peu légumes. Kator qui n'a plus que 4 PA. Bon, il va se débuff pour bouger des glyphes parce qu'il en a marre, je pense. À mon avis, oui, ça commence à bien faire les glyphes. Hein. Il fait putain. En revanche, le Safi s'est placé de manière à se reprendre les glyphes. Après, je dis ça. Et ben voilà, il va le mettre dans le glyphe. Ça s'est fait. Le sacré va se prendre triple glyph. On remercie leur FK. Hein. En fait, ils aident les 4. C'est... On remercie leur roublard surtout. Ah ouais, le roublard. Celui-là, il est excellent. Ouais, il décale son sacré. Ouais. Bah, il essaie de rattraper son erreur, je pense. Je dis beaucoup, je pense. Je sais pas pourquoi, je pense beaucoup, moi. Je suis quelqu'un de pensif. Cappuccino vient de rejoindre le combat au spectateur. Tiens, sympa les noms. Un café, s'il vous plaît. Un cappuccino, pour être plus précis. Assistante. Et les joueurs de Curie en spectateur qui disent à Eka, n'hésitez pas à nous troll. La dernière fois que j'étais cherché à boire, je me suis fait déconnecter. Ah oui. Bah attends que tu finis ta game alors. J'en ai commencé, ça mange. Bah attends que tu termines la game. Autour des diagnostics qui a fait un mot reconstitution modérée dans sur Snatcher qui perd 3 PA. Et qui finit donc à... Ouh, le mot de silence. Oh putain, les mots de silence diagnostiques sont juste magiques. C'est pas un ennemi ça, c'est un Xel, c'est pas possible. Le roublard qui se retrouve plus qu'en 4 PA et la FK en 8 PA. Autour de Grub qui n'a plus de PM hein, et subit le contre-coup de la retraite et qui fait une pelle animée. Une boîte de Pandore, il passe son tour. Non, il fait sa maîtrise. Il avait envie de faire une maîtrise. Et Ruby qui troll un petit peu Curry en chat, c'est... il dit qu'il en manque de carottes. De cahuètes. Vénus qui a perdu 5 PA quand même. Ah non, il a perdu plus que 5 PA. Il a perdu 8 PA. D'accord. Ouais, mais les glyphes additionnés, tout ça, c'est les glyphes additionnés. C'est pour ça qu'il faut jamais rester dans les glyphes comme ça. Ah ouais. Mais quand la map est petite comme ça, tu m'excuses, mais c'est pas possible de... faire quelque chose. Alors, le FK, là, autour de Natsu... Non, Cobain. Non, Natsu est pas au bout de ça. Encore heureux, je crois, pour E4. C'est autour de Cobain. Renvoie de sort sur Cobain. Rends votre sort sur le sacré plutôt, pardon. Ok, un aveuglement. Bon, ce FECA, il sait faire que ça, à mon avis. Le... mise en garde, aveuglement. Bah, t'as vu un retour du bâton sur la bombe au premier tour. C'est déjà ça. Ah, mais. Je viens de me souvenir qu'elle a RDS son sacré, mais RDS ne fonctionne pas avec les bombes. Oui, exact. Il y a juste l'élémentation. Ah non, c'est l'élémentation, je peux pas. Bah ouais. Bah il a pas toute la bombe en fait. Il s'en fout en fait. Il se dit, oh, allez hop, YOLO, je le fais, tant pis. Il a fait un triplé surtout, il a mis les trois invoques de
Enfin, deux invoques de tuerie et le sacré. Et bim, le sacré qui a 1900 et qui se rapproche de sa vie, t'as puni par contre, mais qui a plus. Oui. 10% d'érosion. Faut leur faire attention à ça quand même. Ouais. Enfin, 25% d'érosion quand même. Ouais. Ruby qui troll à mort. Il est con, il est sous Kaboom, Luciole. Luciole est sous Kaboom, le sacré n'avait pas prévu ça, je pense. Il a pas regardé le Kaboom. Ouais, c'est ce que dit Ruby dans le chat. Ah, ça y est, Curie qui... Non, c'est pas Curie. Hmm? Je regarde l'expert depuis tout à l'heure. Ah, Skater qui remet le sacri dans le mur, puis qui va mettre les coups, je pense. Pourquoi pas, hein, écoute, s'ils veulent être ensemble, on va pas leur en priver. Trois prochains tours, si Luciol il veut se permettre, il peut faire une alimentation, peut-être un dernier souffle, si vraiment il veut troll à 100%. Sauf que Luciol ne fera pas péter ses alliés. Exact. Ah ouais, non mais ça... Allez, c'est au tour du roublard d'ailleurs de Curie de mais jouer. C'est pas Curie. C'est pas Curie. Ah, qui avait pété ses alliés. Contre je sais pas. Je sais qu'il y a un roublard qui a pété ses alliés, mais que... Bah, ils oui, ont c'était réussi... Stickmoo. Et Stickmoo, c'est la team de... Bah, de Curie A. Seulement, il s'appelle Smasher. Ou alors, c'est le remplaçant. Mais le remplaçant, il vaut pas le titulaire. Ou alors, c'est le titulaire qui joue sur le remplaçant. Ah bref, c'est tout un système. Ah, ah, ça me lime les ongles. Dégage. Allez, à Diac de jouer. Bon les gens, vous pouvez parler sur le chat, hein. Tout le monde vous regarde. Juste en dessous, là, en dessous, vous avez le chat. D'ailleurs, je vois, il est un peu vide. D'ailleurs, le chat de Twitch va un peu faire quelque chose. Pas normal qu'il soit si vide. Alors, diagnostic qui lance mouvement pyrex sur Grub, fois 2. Et qu'il enlève un peu de vie. Molotov. Ah, c'est Ruby qui va être content, il y a une KWAT qui a été posée. Hein. Alors, Rub. Qui lance chance, libération. Et accélération. Pour finir avec des sions en fait. Attends, il va... Non, maladresse. Là, il a changé. Là. Parti pour un dress. Et le coffre animé qui perd tous ses PA et ses points de vie d'ailleurs. Coffre... Par contre, l'appel qui dégage la... qui dégage une des bombes à Lulu. C'est pas grave, hein. Une aimantation, elle se revient. Aimantation, c'est 5 PO. Donc ça va. Allez, autour de Vénus. D'ailleurs, Xéatizen est mort. Mon humble avis. Il va mourir. Non. C'est et sûr. Je pense, je n'ai pas vu toutes les... Je pense que Luciole a dû prévoir justement le coup pour debuff le sacré. Je ne sais pas s'il l'a prévu, mais le connaissant... Il a fait une surcharge. J'ai pas vu, parce que j'étais en train de dire les trolls en général. On verra bien. Immunité, là, c'était prévisible. Est-ce que la surcharge a été préparée? Comment? Bah oui, il faut demander en fait. On verra bien. Mais... Ah, ah non, 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 pas trop de pression, sûrement qu'il n'y a pas surcharge. Bugs Bunny serait heureux, il y aurait des kawats en masse. C'est vrai. D'ailleurs, je vais... Allez sur Big pour éviter deux décos. Et en même temps, qu'on voit le texte de Zarnarov. Et je vais passer en mode privé. Comme ça, tout le monde voit mes messages privés. Hein. Merci, vous pouvez même faire des trucs... trucs bizarres. Vous, tout le monde les verra. Faites gaffe.
Alors, Luciole, clancémentation comme prévu, poudre, ça j'avais pas prévu, tromblon sur le sacré, qui touche diagnostic aussi, remarque. Exatizen qui perd 4 PA dans le griffe de son ami. Il est gentil ce PK en fait. Hein. Bonsoir à toi, légende d'Ala, et bienvenue sur le stream Online Multigame. On est sur le Ghoul Terminator et 4A contre Curie A. C'est un match très épicé. Exact, c'est Hecato Curie. Enfin, et bonsoir les bonsoir légende d'Ala. Tu as loupé une belle action de la part du roublard de Curie. Hein. Ah oui, c'est dommage, c'est très dommage. Et y'a que sur le stream que tu peux voir ça. Ou la rediffusion, j'espère que celle-là tu ne la louperas pas. La rediffusion, exactement, je l'ai. Je l'ai vu que j'en vais sur Twitch en même temps, je l'ai. Forcément, vu que ça upload sur Twitch, par contre j'ai pas activé pour Eclipse à mon avis. Parce qu'il y a quelques années on parlait d'un Feka qui a trêve, mais là on va. Je pense qu'on va parler d'un roubleur qui expose ses alliés. Ah d'accord. Allez, autour des skaters de jouer. Alors, fais-toi avec une tablette maintenant. Et Thilo. Alors, glyphe d'aveuglement qui fait perdre 2 PA au Wasta. Mais le Wasta. Allez, au roublard. Serre en rond. Hashtag lol. Sharon qui nous dit hashtag lol. Tu dis hashtag lol, mais lol, c'est hashtag, ça fait League of Legends en fait. Pourquoi tu nous parles de League of Legends, Sharon? On est en plein Goulta là. Un coup d'archétype. C'était prévisible. Par contre, Luciole dans le mur de bombe, il va rigoler quand il va mettre le rouble à botte, je pense. Là, c'est au tour de Diag de jouer. Allez, PA, voilà. La botte de fou. Moins 4 PM sur le roublard de Curie. Ouh, le Modimo pendant 3 tours. Hein. Le Modimo de Diag fait mal. Ça rigole pas. Ensuite, Maudrenant. Maudrenant. Voici un roublard en 8-2. Super outil. Ah, dommage, c'est pas l'écrasante, hein, franchement. Ah, ça sera pas une écrasante, mais ça aurait été un beau match pour Ekat. Ça. Ouais, un beau match. On peut dire ça vite fait. Bah, de belles actions de la part des 4, par contre. Oui, par les 4, heureusement. Sinon. Bah, vaut mieux aller au match Coliseum, on voit mieux. J'avoue que là, il y a eu des belles erreurs. Allez, c'est l'ennu là qui a désengouté Diag, qui a fait des maladresses. Oh, l'ennu qui essaye de taper tant bien que mal. Et le coffre qui s'amuse à taper les bombes aussi, pourquoi pas. Et Appel qui nous place un mur de bombe. L'Appel, c'est une folle, elle nous place des murs de bombe, ça y est. Elle nous place le mur de bombe pour Skytor, en fait. Comme ça, Skytor, ouais. Il a juste à lancer dedans. Oui, enfin là, pour le moment, il sort un petit peu loin en face. Mais Luciole peut toujours en rapprocher, hein. Ouais. Un petit blabot. Bah, à mon avis, ça va bot, blabot, et dans un triple mur d'explo-bombe... Il va mettre le roublard. Je sais pas pourquoi. Ah, il préfère détruire. Vénus préfère détruire les bombes de Curie. Pourquoi pas, oui, pour éviter des dégâts inutiles. Ah, là, elle a fait 4 jouets. Je sens l'aveuglement sur Luciole. Non, mais il fait que ça, aveuglement. Attention, aveuglement sur diagnostic. Non, une glyphe d'Imo. Ah, on l'avait pas vu de la partie celle-là. Ah, c'est la première glyphe d'Imo que je vois. Voilà, une glyphe d'aveuglement. Ça c'est normal. Et un aveuglement, hein, comme d'habitude, pour finir avec des mises en garde. Évidemment, on connaît le tour du Feka par cœur. Il fait toujours les mêmes choses, sauf que là, il a changé pour une glyphe d'Imo. Remplacer l'aveuglement par un glyphe d'Imo. Et là, c'est Luciole qui va jouer. Luciole qui perd donc 2 PA et 1 PM. Ah, Luciole qui, oui, préfère péter les bombes de Curie, en fait. Oh, ouais, pourquoi pas. Et un coup de rebours sur Skytor. Pourquoi pas. Sinon, chez E4, nous avons des bombes
Le Sacri perd 3 PA dans la glyphe de son Feka, il est donc en 6-6. D'ailleurs, le Sacri, il aime l'érosion, il aime les glyphes, il aime tout ce qui est négatif, j'ai l'impression. Et 4 qui ne tape plus le Sacri parce qu'il sait qu'il est en Vita puni dans quelques pourcents. Alors, est-ce que le Sacri va faire partage de transfert de vie pour déjà, il faudrait qu'il joue. Ah, il s'est dérobable. Ah, mais tu sais très bien que Sacri joue lentement. Ah, Skater, par contre, qui perd 3 PM. Ça, ça fait mystique. Ouais, Skater, dommage. Il va péter la carotte. Non. Il va certainement... Non, en fait, il peut pas... Là, il va péter les bombes. Ah oui, bien oui. Pétage d'explobombe. Voilà, Curie n'a plus aucune bombe. Ils n'ont plus aucun DPS à ce niveau-là. Ekat a clairement l'avantage. Nous sommes au 9e tour. Curie est regroupé dans un coin. Ils peuvent pas faire vraiment pas grand-chose. Ah bah le roublard, il repose une bombe. Ah, pourquoi pas, il se dit, allez, ils m'ont pété les bombes, je repose une. Un petit type sur les nus. À ce niveau-là du match, un coup de type, ça fait pas la différence. J'ai envie de dire que le match est déjà presque joué, mais... Au tournement de situation, peut-être. Le Sacré est sous dérobade. Oui, ben... Ça fait sous dérobade pour tacler le diagnostic, pourquoi pas. Diagnostic, il sait pas trop quoi faire en fait. Il réfléchit. Il part sur une réflexion et au final ça tape la Feka de Curie avec un mot blessant. C'est reparti, un mot de silence. Et c'est reparti pour un mot de silence. Attention, le mot de silence ça a enlevé 4 PA à Snasher de Curie, 3 PA à Cobain et 3 PA à Grub. Ah, un coup des types. Donc déjà ils ont deux archétypes, l'Enu et le Roublard. Non, ils en ont trois. La Feka, ça m'étonnerait qu'elle soit. Non, le Sacri, elle tape pas encore. Et puis Et puis la Feka, elle peut pas être à l'étype, elle doit être en Mushimo vu le Rotsack là. Double archétype. Double archétype. Mais bon, ça va pas faire la différence là sur ce match. Alors tu veux voir les points de vue de tout le monde, ok. Luciole a 3686 points de vie, le Sacri j'ai dit, 2147 points de vie sur 3097 points de vie. Skater bah, qui est à fond, hein, 3963 points de vie. Le Roublard adverse, 4269 points de vie. Diagnostic qui a 3373 points de vie, il est à fond. L'Enu de Curie. 4131 points de vie. Vénus qui a 3660 points de vie sur 4446. Et la Feka de Curie, 3317 points de vie sur 4170. Voilà. Salut à toi, Dross. Bienvenue sur le stream. Salut. Moi, je refais un petit coup de pub pour le stream, justement. Génial. Allez, au tour de Luciole de jouer. Attention, que va faire Luciole? Luciole va-t-il faire ce que je pense? C'est-à-dire mettre un Blabot? Ah non. Il aurait pu éliminer le Sacré. Ah non, il est sous. Ah, le Feka a trêve. Ah, le Feka, un nouveau trêve. Une deuxième trêve dans ce combat. D'accord. Et il continue l'érosion, bien entendu, il a que ça à faire. Pourquoi pas? Par contre, ils se rendent pas compte que Curie met trêve, sachant que les bombes de Lulu sont très très chargées, ça peut faire mal. Non, on n'est pas sur la bêta, on est sur le Bull Terminator. C'est un autre serveur que la bêta. C'est le serveur tournoi qu'on appelle. Xatizen qui perd donc 1 PA et 2 PM. Tous les tours, il a perdu des PA et des PM, hein, ce gars-là. What? Qu'est-ce qu'il fait? What you doing, man? Ouais. Je sais pas trop ce qu'il fait le roublard, le Sacri du... Je vais regarder, je renvoie encore un coup de pub. De chez Curie. Et là c'est au tour de Skater.
Sinon, Riri, on est combien sur le stream, dis-moi. Je te dis ça tout de suite. Alors, nous sommes 49. À comment de département, on représente le 49. Voilà, tu dis qu'ils sont 49. 49, je pensais qu'on serait plus. Allez, les gens, faut être plus nombreux, plus nombreux. J'ai envoyé le lien dans deux alliances, celle de mon co-teamer et donc la hack. Et j'ai envoyé aussi en MP à des amis de la Fofa pour qu'ils fassent tourner. Pour là. Donc faites tourner les liens. On veut des vues. On veut du people, on veut du people qui discute sur le chat. On est là pour couvrir tout le Ghoul Terminator cette année. Et autour du roublard de cure et de jouer. Et après, en plus, vous aurez la rediff disponible sur ma chaîne Twitch, ma chaîne Eclipsia. En même temps, alors, hein, Le roublard a posé une explosion, et il a fait roublardise. Ok. Voilà. Et après, j'uploaderai sur YouTube. Comme ça, vous pourrez regarder quand vous voulez. Donc, il y a tout prévu. Le match à volonté. Alors, diagnostic Molotov. Hein, Molotov pour défoncer l'explosbombe. C'est un petit peu la seule chose qu'il puisse faire. Parce que il y a une trêve, donc il n'y avait plus le sacré. Là, il est un peu loin. Oh, par contre, le sacré, il s'est bien placé pour atterrir dans les bombes de Luciole. Eh ben, je sais pas pourquoi il s'est mis là. Ouais. Poser des bombes quand Vénus va jouer, ok, mais il y a une trêve. Hein. Et il a pas pris d'érosion, Vénus, il me semble. Ouais, non, mais je sais pas ce qu'ils font, Curie. Concrètement, je sais vraiment pas ce qu'ils font. On est 50 pour le moment. 50, ça monte. Allez, le premier soir, on était plus de 100, et là, on a baissé de moitié, je sais pas pourquoi. Ils sont tous en train de regarder chez Anka TV, les traîtres. Bande de traîtres! Venez sur celui de Big, c'est beaucoup plus fun, on s'amuse. Exact. Il y a des invités spéciaux et tout. Des chanteurs. D'ailleurs, je propose déjà, après qu'on invite Luciole et compagnie, pour avoir un petit peu leur commentaires sur leur match. Un deep dressing du match, pourquoi pas. Mais ce serait bien d'inviter toute la team de Luciole à ce moment-là. Ouais, c'est ce que je vais leur dire. Je vais leur dire ça en canal guild. Un plastron de la part de Vénus. Vénus qui n'a rien pris dans le mur de bombe, hein, forcément. Mais je pense que le mur de bombe a été posé par accident. Je sais pas pourquoi. La Feka qui se rapproche aussi des bombes. Mise en garde. J'aimerais choper aussi la team de BoMG avant le stream sur... avant le match sur le stream. Je leur dis. Comme ça, on peut discuter un petit peu du futur match, sans parler pour autant de stratégie, parce qu'il y a des espions industriels. Ils sont partout. On pourra au moins avoir leur avis sur comment ils vont sentir le match, mais c'est sûr qu'ils vont pas nous dire leur stratégie. Exact, hein, parce qu'on sait jamais que quelqu'un de Danator qui regarde le match et qui link le stream après pour qu'ils écoutent tous les matchs. Oh là là, Luciole, ouais, qui nous fait le premier kill. Non, voilà. Il tombe. Voilà. C'est des cadeaux aussi, le sacré s'était posé exprès pour se faire sauter. Bravo, bravo Luciole. Ça, c'est joli. Secrétaire, un café, s'il vous plaît. Vous avez fini votre match. Le roublard qui fait une botte, qui fout Skater dans le mur de bombe. Ouais, mais rien de bien méchant. J'ai pas envie de dire, mais nous sommes à 11 tours du jeu. Curie a déjà utilisé 4 ou 5 archétypes. Et 4 ne s'est pas soigné du tout. Pas de mot de recon. Il y a eu une recon, juste. Ah, j'ai loupé la recon alors, parce que moi, pour moi, j'ai pas vu de recon. Tu sais, il y en a eu une. Mais just one. Elle roule la botte pour dégager. Bah, il va exploser la bombe, hein, forcément. Ok. Mais bon, c'est un peu du gâchis de roule la botte. J'avoue. Mais à mon avis, il peut pas faire autre chose, hein.
diagnostique vers 3 PA dans le grid d'aveuglement, mot stimulant sur Vénus. Deux sucres, s'il vous plaît, secrétaire. Ainsi qu'une cuillère à café. Ah, ça va être le focus de Lénu. Lénu, il est complètement bloqué, donc il va prendre dans cher. Dans une tasse. Mot vampirique x2 sur Grub. Ouais, non, mais... Bah, il y a eu beaucoup d'actions au début, mais là, ça commence à devenir un petit peu... lassant, je dirais. Parce qu'il n'y a plus trop d'actions, on va dire. Ah, Vénus qui perd un PA sous la maladresse de masse. Mais Lénu qui peut rien faire, de toute façon, parce qu'il est bloqué. Complètement. Enfin, il s'est encore pire bloqué, il a foutu un sac derrière le Westar. Par contre, le roublard à ennemi est caché. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de jouer le nul? J'espère que non, parce que sinon je vais les étriper. Ouais, il reste 9 tours et je pense pas que jouer le nul... Ah écoute, tout est possible, hein. Ils ont un FK sur tout ça. Un FK qui a déjà utilisé 2 trèfles, faut rappeler. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il est évident, en fait. J'avoue que le coffre, il a très peu de points de vie. Mais ça fait 11 tours qu'il tient, le coffre, hein, quand même. Le coffre, il a très peu de points de vie, alors qu'une flamiche a supéré à le tuer, et il risque de faire tout péter. Ben, non. Une mesquillade de la part du Feka. Un coup de pêchasse. Ah, ça y est, enfin une Feka qui... Enfin un Feka qui tape un peu, et une libée. On a enfin vu un coup de corps à corps d'un Feka, quoi. Et mise en garde. Bon, bah le prochain tour, on est sûr qu'il est quelque part. Mise en garde. Bon, bah d'un côté, on a le Nu qui est type, le Roublard qui est type. Et de l'autre, le Feka qui béchasse, et chacun perd de son nul putain. Ah bah tiens, tu vas parler de Flamiche, hein. Luciole vient d'en faire une, et une deuxième parce qu'il n'avait pas tué le coffre. Un blabot. Un blabot. Il va ramener le roublard du côté du combat. Hop là, allez, va au combat là, arrête de fuir petit. Voilà. Et autour de Skater de jouer. Ça, Skater va pouvoir le vulner sans trop de problème. Ou pas. Pas sûr. Il non. Décide de focus le nid. Allez, autre Skater qui va certainement... Alors, une souillure, coup critique. Une vulnée. Une vulnée, pas cessée celle-là. Non. Mais les nus qui est à 3, 15, 3, 12, 12. C'est très faible pour des résilles au Goultard. Ça part vite les points de vie hein, quand on a que ça comme résil. En plus, je tiens à rappeler que Vénus, il ne me semble pas qu'il a encore fait une masque 1. C'est vrai. Ok. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu te fais du mal pour rien, pourquoi tu fais ça? Bon, ce roublard n'a pas compris le sens du mot bombe. Les bombes, ça sert à one shot. Bon. Je sais pas ce que t'en penses, Riri. Ouais, non, mais là, de toute façon... Non, mais le mec, il s'est dernier souffle tout. C'est le mec, comme si il savait faire que ça. Ah oui, c'est dernier souffle, donc ce qui va arranger les 4 pour finir le match plus rapidement. Bah oui, mais je comprends pas ce qu'on peut faire, vraiment pas. Et les nuits qui perdent 2 PA dans la griffe de leur Feka. Et qui est taclé. Il est plus taclé maintenant qu'il est sous chance. Je rappelle, ils ne peuvent pas archétype puisque les 3 sont soumis en garde. Ha ha. Libération sur... Ah, ça va jouer la zone d'armure. Enfin, ça va tenter. Ouais, bah Vénus, t'as intérêt à empêcher ça, parce que sinon, je fais du boudin.
Attention, bullish. Ouh. Double bullish. La bullish qui fait mal. Boum. Le roublard qui n'a plus que 1117 points de vie. Et Vénus a encore 4 PA. Donc que va-t-il faire avec ses 4 PA? Un coup de rapier au glyphe qui met le roublard à 746 points de vie. Le FK qui a sûrement RDS puisqu'il n'a pas immu avant le prochain tour. Elle est armure. Bah, il est armure, mais ça sert à rien concrètement. Surtout contre des Dopu. Bah oui. Une fraction peut-être. Mais. Attends. C'est bon. Que... Oula, c'est quoi ce site de Kama qui me spam? Wow. Tu montres pas ça sur mon stream, connard. Merci pour ce café, secrétaire. Attention, il est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, ça brûle. Ah, c'est chaud, ça brûle. T'as mis combien de cuillères? Deux cuillères? Je n'ai plus combien. Lulu qui pose sa petite bombe, tranquille. Mais ce café, il va être infâme. Et qui booste Diag de 20 dommages. C'est combien en fait de cuillères? Skater qui fait un point dans le cul. Hein, seulement? Sinon après c'est infâme. Ça coûte rien en fait. Ah oui. Un et deux sucres, tout simplement. Alors tu veux plus de sucre? Non, c'est encore pire. Vulné. Allez, vulné sur Snasher qui va sûrement tomber. Oh oui, là. Snasher qui va jouer son dernier tour. Ouais, il va jouer son dernier tour en tentant des explosions. C'est ton dernier tour, petit. Cours. Cours, petite fille. Ouais, il se barre. Enfin, il se barre. Il sait pas que si diagnostic fait libération, il a sa ligne de vue. D'accord, la carotte, c'est de l'autre côté que t'aurais dû la faire. Je sais pas si tu sais. Bon. Bah, il savait pas. Non, mais il a pas réfléchi à un truc, c'est que. Ah non. Non, mais non. La carotte, il aurait dû la faire de l'autre côté. Pourquoi il l'a pas fait? Ah oui, il me renvoie les LDV, évidemment. Ah oui. Voilà, hop. Il manque un PO. Molotov pour être sûr de le finir. Mode envol. Et bah il a pas eu le temps en fait. Est-ce un bug ou. Je sais pas. Ah, les nus. Ouais, ça va jouer archétype. Bah il peut pas. Si ce tour là il est pas mis en garde. Oh, non mais il peut pas. Regarde la PO mini. Ah ouais, d'accord. Archétype la Feka et puis faire une boîte de Pandore sur les sur le roule. Ouais. J'ai envie de dire que Curie me fait chier. Tu vois, ils sont bien. Ah bon. Ah, elle passe en masque de classe. Allez, approche. Oh, oui, Lenu qui s'est super bien placé. Merci à Lenu, on peut le remercier. Et le roublard qui va tomber. Ouf, moins 300 à la libé. Libération. Oh putain, ça part sur l'animu. Ah, c'était prévisible. Ah bah je t'avais dit le tour d'avant qu'il avait pas le CD. Mais merde, il va perdre son dernier souffle. Mais Luciole, il a peut-être prévu une... J'ai pas pu voir les actions de Luciole, c'est vrai qu'on est plus à délirer sur ce match qu'à commenter. Et ça se trouve, je sais pas s'il a poudre, je vais lui demander. Poudre, non. Surcharge. Ah, bien. Ouais, surcharge. Ah, oh, je m'y perds avec l'essor du roublard, c'est pas... C'est une classe, j'ai pas l'habitude de jouer. Moi, je trouve que c'est une classe très intéressante à jouer, roublard. Et qu'il faut un cerveau pour la jouer.
Et là, c'est Lulu donc qui joue une aimantation, une botte. Non, mais Snasher va récupérer ses points de vie. On est déjà au 14e tour. Et la Feka qui en profite pour partir discrètement, mais je l'ai vu celle-là. Je t'ai vu, petite Fekate. Tu vas où comme ça, hein? Elle croit se faire la malle. Mais même sur le, si le roublard, bon, il perd le dernier souffle, c'est sûr, mais il ne restera pas beaucoup de points de vie et il est bloqué, là, il sait carrément. Mais si, si, je joue roublard, moi. J'ai un roublard, d'ailleurs, il faudra que je redemande le log. Je trouve super intéressant comme classe roublard. Vraiment super sympa, niveau tactique, stratégie, placement. Il empêche les types de l'ennu, puisque l'ennu vient de se prendre un état affaibli avec le West. Qui prend 982 d'archétype. Ah merde, il y a plus au mini en fait. Oui, mais l'ennu il pourra pas archétype, hein, je précise. Est-ce parce que ça va partir sur un nul? Non, 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 il reste encore 6 tours. Et le prochain match est à 21h30, il reste encore 36 minutes avant le début du match. Jack qui va taper un peu les nues, voilà. On a de la chance que le match soit à 21h30. Et pas à 20h40. Sinon, on n'aurait pas pu assister à tout le match. Ouais. Allez, un mot d'Imo sur la Feka, montre en PM. Oui, pour pas qu'elle parte trop loin, hein. Mais elle a toujours sa téléportation, je crois. Je suis pas sûr. L'ennu qui tente de désinvoquer, bon, le Wasta, une désinvocation à 572 points de vie qui ne suffira pas. Bon, rappelons-le, pendant deux tours, il ne peut pas être type. Désinvocation sur Vénus. Vénus qui a sûrement masque du psychopathe. Pour faire une double bolish sur Snasher. On sait qu'à coup de rapière au glyphe, il a assez de peur. Snasher est ah, encore... ça part sur une mascarade. Snasher est encore sous immu. Et un plastron. Et oui, ça lance enfin la première mascarade du combat. Exact, Snasher est toujours sous immu. Pardon. C'est vrai. Et voilà. Et voilà, ça part sur un état insoignable sur les nus. Bien joué ça, c'est très très bien joué, ça va empêcher en effet qu'il se passe soin. Ouais, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils ne peuvent pas se soin chez Curie. Bon, la Feka qui décide de rejouer le mode glyph, ça y est, elles sont de retour. Ah bah oui, elle s'est dit, bon, je vais trop loin, je pourrais plus glyph. Là, ça courut. Et une troisième trèfle qui tombe du combat. Non, mais laisse tomber, là. Trois trèfles sur le même combat. Non, mais... C'est pas qu'elle pète les couilles, cette Fekate, mais... Super fast palm. Allez, trois trèfles dans le combat, c'est abusé. Ces lunettes font chier. Bon, bah ça part sur un grosse descente via l'érosion, via les bombes aussi. Trois trèfles dans un combat, je crois que depuis que je regarde les matchs du Bull Fest, c'est la première fois que je vois autant de trèfles. Eh bah oui, c'est le premier match où il y a trois trèfles. Hein. Je sais pas si Léo nous regarde, j'aimerais bien savoir son avis sur ça. Par contre, ils ont intérêt à finir la Feka avant le tour 20. Parce que la trêve, elle revient le tour 20. Ah, ça ferait chier, ça. Ouais. Kaboum. Est-ce qu'il a kaboum pour éviter de se faire exploser par les bombes d'adversaires? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais il est... What? Ah, par contre, je trouve que Diag, il est bien entouré de bombes, là. What? 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 Mais il est con!
Mais tapez-le! S'il vous plaît, tapez-le, il a Kaboom pour éviter que ses adversaires explosent les nuits, quoi. S'il vous plaît, et massacrez-le, quoi! Putain! Je précise, il y a peut-être la trêve, mais les dommages poussés, ils passent sous la trêve. Bah oui! Il a buté son allié? Non! Le Kaboom. Il a Kaboom son allié pour éviter qu'il se fasse sauter par les bombes de Luciole. Voilà, il a Kaboom son allié pour éviter de se faire sauter par les bombes des adversaires, alors que ça marche pas. Est-ce que le mec a acheté son perso et s'est dit je vais faire le Ghoul Terminator? Les nus à la couru, on m'a dit, ils disent dans le groupe, mais bon, est-ce qu'il va réussir à courir quelqu'un aussi, c'est la question. Ah ouais, si, il a 7 PA. Ah bah non, en fait, il va pas courir. Libération. Ce roublard est de plus en plus décevant. Je dis ça avec un café dans les mains pour faire un air plus sérieux. J'irai m'en faire un après d'ailleurs, un café. Nico sait faire un beau café. Vénus qui marche dans le mur de bombe, enfin il avait pas vraiment le choix sur ce coup. Il s'en fout lui. Il y a la trêve qui l'aide. Ah oui. Allez, c'est parti pour la bolish, messieurs dames. Je dis que ça va bolish la FK. Il réfléchit. Et voilà. Ouais. Allez, bolish la FK. Bol. Ah non. Ah, libération. Non. Très bien joué. Très bien joué de la part de Vénus. Alors, nous sommes en fin de tour 15. Donc, bientôt au début du tour 16. Je sais très bien compter. Je vais leur dire en canal guild de penser à tuer la FK avant le tour 20. Oui, parce que la trêve revient. Bonjour. Pour éviter le nul. Donc, Luciole qui s'amuse avec ses bombes, bien entendu. Alors. Et Luciole qui va pouvoir mettre les nus dans le mur de bombes. De 3 bombes. Voilà. Et la Kaboom qui ne marche pas, t'as compris, connard? Oula. Ça part sur un dernier souffle. Allez, voilà. Oh, super bien joué. Superbe explosion. De la part de Luciole. Superbe explosion. Luciole, j'ai l'impression qu'elle aime bien exploser les énus. Que le match d'avant, je sais pas si t'as vu, mais c'était un énu qu'elle explosait encore. Si tu veux plus de précision sur Luciole, que ça soit ses alliés ou ses ennemis, il adore exploser tout ce qui bouge. Allez, hop, go faire ça avant le tour 20, sérieux. Et encore le babot. Skater qui s'ennuie, donc qui pète la bombe. Bah oui, hein. Putain, Skater, il se balade dans l'église depuis tout à l'heure, le pauvre. Ah là 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 là, Snasher, que va-t-il faire? Que va-t-il faire pour nous décevoir encore une fois celui-là? Il a le blabot, donc ça se trouve, il va se barrer, faire péter les ombrelles. On va voir. Franchement, ça serait dégueulasse de la part de Curie de jouer le nul, parce que Ikat mérite sa victoire largement. Ouais, non, mais laisse tomber, quoi. Mais il est sérieux, ce mec. Mais en plus, c'est pas compter les PM. Des trucs chimiques. Mais non, il sait pas jouer. Une petite libé pour Vénus. J'étais pas sûr que le Diag avait la libé sur Lenny, mais voilà. Et il se l'autoff. La FK qui perd des PM, des PA plutôt. Ouais bah.
D'accord. En groupe, Curie, enfin en langage, enfin en truc d'équipe, Curie qui dit l'écrasante est encore possible. Je vois pas de quelle écrasante il parle. Oh mais please, sont pas tous comme ça sur Curie, s'il vous plaît. Apparemment... Est-ce qu'on a des gens de Curie sur le stream? Levez la main, ceux de Curie. S'il vous plaît, levez la main. Allez, la Fekka revient donc par là. Allez, voilà. Reviens. La Fekka qui fait un retour du bâton. Ce café est trop chaud. Un deuxième retour du bâton. Oui, TP. Mon café est trop chaud. Téléportation. Et quelqu'un de Curie qui demandait quand est-ce qu'ils avaient la TP. Et vu que la Fekka vient de la lancer, voilà qui répond à ma question. En effet. Ah c'est ça l'odeur Shenron, putain. Baisse ton pied s'il te plaît. Et range et l'ange qui dit à Lulu d'utiliser Roublard 2 pour avancer. Il remet une surcharge. On va voir. Hop là. Ouais bah en même temps il tacle le. Tacle le. Ah bien joué. En effet, Luciole tacle. Tac Snatcher, c'est super bien joué. FTGDM, toi ferme ta gueule de merde, toi. Très poli. Il me semblait qu'au Gulta, il n'y a pas le droit aux insultes. Donc si un modo surveille ce match. Après, FTGDM, toi Si, ferme ta gueule de merde. Ouais, je sais. Donc, voilà, quoi. Après, les modos, je pense pas qu'ils sont cons... Attention, vous avez dit une insulte, vous êtes disqualifié. Quoi? Putain, on va prendre une pénalité encore, Curie qui dit ça. Donc à mon avis, j'ai raison, les insultes sont pas autorisées dans les matchs. Bah non, forcément. Hein. T'imagines, la Coupe du Monde, les insultes. C'est direct carton rouge. Hop là, double mode fire. Mode prévention, on est au 17ème tour, ils ont encore 2 tours pour finir. Je rappelle qu'au 20ème tour, ce sera mort vu qu'il y aura une trêve. Nous sommes combien sur le chat, s'il vous plaît? Je vais te dire ça de suite, on est 45. 45, toujours 45, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Mais pas beaucoup par rapport au tout premier match. Ouais, bah... C'est bizarre, je sais pas pourquoi, c'est bien. Ouh, très belle boliche. Ah là là, enfin mort celui-là. Enfin. Il est décédé. Applaudissez. Il est décédé. Oh, joli les boliches, en effet, ouais, je viens de voir les dégâts. Allez, bye bye. Il reste que la Fekka. Bon. La Fekka qui... Ah, la Fekka qui décide de rush, elle en a marre. Décide de rush. Oh, Luciole qui meurt? Oh non, genre! Luciole qui meurt. Luciole est décédé, non! Mais là, ils vont défoncer la Fekka avant le tour 20. Ouais, bah là, oui. OMG, Easy, ouais, mais OMG. C'est quoi? Cette mentalité, vous m'excusez, ceux qui sont sur Curie, mais vos représentants, ils vous font honte. Carrément, ouais, hein. Ça y est, c'est la fin du match. 1h11 quand même, et victoire des 4. Putain, 1h11 quoi. Victoire des 4 avec une mort, ça représente 50 points. Mais c'est une victoire. Dommage pour la parfaite, mais bon. Ouais, mais bon... Je sais pas, très bon match des 4. Juste des 4, hein, parce que Curie, leur mentalité à la fin, j'ai envie de dire, c'est pas ça. C'est pas... Après, c'est mon jugement personnel, je sais pas ce que vous en pensez, Weaver, je sais pas ce que t'en penses, toi, Riri. Franchement, Curie, voilà quoi.
Je sais pas quoi dire honnêtement. J'espère que toutes les teams de Curry sont pas comme ça parce que là ça fait peur. Énormément peur. Donc voilà. Bon, alors dans. Dans 30 minutes et 4 secondes. Eh, je vais avoir le temps de faire mon petit café moi. Ah, Sup qui te dit qu'il en pense, lui, qu'il va aller faire ce qu'il doit faire et ensuite tu peux l'appeler. Il pense qu'il... Ouais, d'accord. Bah, je me recouvre vite fait sur les 4 pour refaire un petit coup de pub. Ah, joli match. Hop là. Très beau match, ouais, vite fait. Bah pour E4, hein, parce que bon, le roublard a carrément explosé ses alliés. C'est excellent. Mais apparemment, ce qu'il disait, Curry, parce que j'ai un petit peu lu le chat du canal des spectateurs, et sur Curry, ils sont pas du tout bons en PVP, enfin, ils sont pas de vrais représentants. Ah bah, moi ça que c'est des fakes. En présentant, ils ont été en vacances et ils ont dit « Allez, démerdez-vous le serveur, moi je me bats. » Et en fait, c'était le kikou du serveur qui est passé. Ok, nous avons la team de Skytor qui va arriver sur le stream. D'ailleurs, Eric, tu peux commencer à les inviter. Oui, je vais inviter Lulu bah, s'il est là. J'attends de voir quand est-ce qu'il est là. Je le vois qu'au Skype, mais après, est-ce qu'il est cool ou est-ce que c'est un bug? Normalement, il doit être cool. Ah, il y a quelqu'un qui veut nous faire un petit live en stream. Il me demande de l'inviter dans le stream. Qui ça? C'est un mec de la Grimworth Earth, Cochon, il s'appelle. Ah! Ouais! Je l'invite histoire qu'on ait un petit live? Ouais! Y a Skytor qui m'a MP qui veut rejoindre la converse et Lulu aussi. Ah oh bah, bah d'abord. Bah invite tout le monde, invite tout le monde, là, hop là, voilà. Ça c'est fait. Tu les as en ami ou? Non! J'attends que Lulu score alors. Skytor, je l'ai pas ajouté, il m'a pas ajouté non plus. Lulu, je l'ai ajouté. Il faut attendre. Ah, ça y est, Luciole est là donc je l'invite et il invitera le reste. Hein. Donc Luciole. Hop ouais. Ah merde, le con. Hop là. Un chat. Et invite Cochon aussi. Invite Adrien aussi. Voilà, assistant invitateur. Je sais, salut. Bonsoir les viewers. T'as vu, j'ai pensé Big. Ouais, bravo. Salut, salut, Lucien. D'ailleurs, je fais une case dédiée pour toute la team des 4. Hein. Case dédiée à la team de Luciole. Alors, ouais, deuxième. Dédicace à Alain Roucoulette. Et à ton stream, Big, aussi, t'inquiète, je vais pas. Et à Skytor qui veut venir. Ce serait bien inviter Vénus aussi, Diagnostic, si possible. Ah, ça c'est. C'était pas Samy en fait sur l'ennemi, c'était Tralana. Vous devez connaître pour ce D4. Oui, oui. Incra. Alors, ouais. Dina. Bah, tu sais quoi, Riri, invite tous ceux qui t'ont demandé. J'ai pas tout le monde moi sur Skype. Hein. Bah, moi non plus. J'ai invité Dean. Appelle Dean là. Et par contre, tu peux me rebalancer un lien, Big, sur Skype pour ton stream Parce qu'en fait, je vois rien. J'ai un écran noir sur ton stream. Bah au pire, on va sur Twitch. Attends. Vous envoyez ça en slash G. Hein? J'ai demandé à quelqu'un justement de la FOFA de faire tourner le lien du stream. Mm-hmm. Et je suis pas sur le, je suis même pas sur le jeu, donc. Copier, coller.
Mais mon Skype. Mon Skype a... Ah, mieux. Ah ben, il était devant mes yeux, en fait. Je suis con. Hein. Alors, online multigame... Moi, j'invite tous les gens qui m'ont demandé de les inviter. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ça va faire du monde. Il y aura du people. Merci. Ça fera de l'ambiance. Merci, c'est bien, ça, l'ambiance. Salut, salut. On va tous se faire flouter, ça y est. Salut, salut, ça va? Salut tout le monde, bien joué à toutes les teams, à toute l'équipe AT A qui ont fait un super salut match. Salut Doris, salut Adrien. D'ailleurs, j'étais assez déçu de Curry A, hein, quand même, leur réaction, leur mentalité, franchement, j'ai très décevante. Je sais pas ce que vous en pensez, surtout vous. Les insultes. Surtout les insultes. Ouais, ouais, bah surtout ça, ouais. Ils ont insulté. Bah ouais. Despente de la manière de jouer, mais en tout cas nous, ça nous a permis de spiquer de bonnes parts de rire. Bon ça, le café n'est pas un cheval, voilà. Secrétaire. Très bon café. Big vu que sur Curry, le PVP, c'est pas leur fort. Ouais, ouais. La Big, c'est... ton lien, il est pourri. Mon lien, il est pourri. Ouais, ouais, ça n'est pas notre food. Et Skater, on n'a pas pu rejoindre l'appel. Il est dû avoir en fait. Bah Alan, donne-lui le lien, tu l'as direct toi. Ouais. Ah bah voilà, dire. Adrien, il s'en est occupé, peu, bravo. Bon, l'année prochaine, c'est pour nous, le Goulta. Hein. Avec ton menu. Bah ouais, il passe. Moi, je passe. Ton Inupan, là. Bon, bah écoute, le canal, au cas où, si tu passes des stratégies comme ça. C'est un petit troll pour toi, t'inquiète. Mais c'est pas ça. Non, mais mon... Tu non, vas récupérer Julia, je passe. Je récupère du jour, j'ai l'optimisation suffisante. Franchement, j'ai dit ce qu'il faut. Il y a un ennemi qui était supérieur dans cette conversation, fais gaffe. Hop là. C'est moi le supérieur. On me demande si on va stream nous le match de Shootitre, Houdini. Non, c'est Cédé qui s'occupe de ça. Ouais, bon, bah si. Cédé s'occupe de Shootitre, Houdini, tout ça, bazar, mais c'est bidule. Nous, on s'occupe de Goenji, Arnaqueur, Pekka Royal et... En tout cas, je vous passe le bonjour de tout Grimoire Air. Voilà, pour tout Grimoire Air, dédicace à Grimoire Air, alors. Salut, à Sheila. Salut à tout Grimoire, dédicace à Sheila. À Cody. Ah oui, dédicace. Moi, j'achète tout mon PDAD, c'est 4 buts. Hein. Ça y est, l'autre, il fait sa pub pour son business. En fait, il vient pour ça, pour le stream. Il vient sur le stream parce qu'il sait qu'il y a 50 personnes qui regardent. Ah, franchement, ils ont fait un beau match. Non, c'est parce que je voulais féliciter notre team des 4A qui a gagné. Ouais, ouais, ouais. Je suis venu pour me faire connaître. Votez 1000K. Votez 1000K. Votez 1000K l'année prochaine. Il y a Kevin qui veut venir sur le stream. D'ailleurs, il va nous faire une petite chanson s'il vient. Non, non, c'est bien, j'ai oublié la chanson. Ah, bah, c'est une petite chanson. Je chantais du Gilbert Montagnier, mais il a pas Candide. Je ne chantais pas. Tiens, il est où dans les amis? Invite Kevin. C'est fait. Allez, fais-nous ta chanson. Ah, ouais, je passe aussi le bonjour de Candy. Salut à Candy. Bon, en attendant que Mid arrive, d'ailleurs, Candy a lancé un commerce pour tous ceux qui sont de l'Alliance. Ouais, attends, secondes. De l'Alliance Hack, allez voir sur le forum. Ok. Ouais, bah, je suis au Cotimer. Salut les gars, ça va? Salut Big. Salut Mid. Yo! Ouais, Mid, c'est mieux. Yo. Bien joué les gars. Bien vu, hein. Est-ce que vous pouvez réinviter à l'appel Non. Et Eve aussi, hein. Inviter Sky à l'appel parce qu'il a pas reçu l'appel en fait. Le match de Loriski Bugs Bunny, quelle heure? Il faut que tu le rajoutes. C'est à 21h30, bien, par contre je stream pas celui-là, c'est 4C que je streamerai parce que Lori il peut couvrir avec son. Avec son record. Et vaut mieux que les 4 aient tous les matchs de disponibles sur YouTube, comme ça tout le monde peut garder quoi. C'est dommage que tu le stream. Fais pas le corbeau aussi. Alors, il y a un trip sur le chat. Fais pas le corbeau, là. Pas ce soir je suis éclaté. Oui, bah Ryan, il me l'a fait.
C'est mon secrétaire qui a fait mon café. Qu'est-ce que tu dis à Aina? T'es juste là. Oh la maman. Oulala, je vois Julia avec son stuff bulletin. Oulala, de la séculaire. Alors, c'est beau. Maintenant, toi, dans 10 minutes, c'est Hécate C contre Danator D. Ça, c'est la team quoi déjà? Roublard, Steamer. Oh, il y a moins que. Il vient de gérer les FDAs. Rappelez Sky, SVP. C'est bien. Nick. On peut pas le rappeler, nous on l'a pas en contact, c'est ça le truc. Ah ouais, c'est ça le problème. Et merde, j'ai quoi, comment vous avez fait la première fois? Tu ajoutes à l'anneau, moi, hein. Ou alors, faut quitter la conversation et rappeler tout le monde. C'est la seule solution. Et je rappelle tout le monde, j'ai tout le monde dans mes amis, sauf Loris. Non, ça marche pas, j'ai pas Loris. Eh ben, rappelez tout le monde, allez hop, go. Raccroche tous. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est parti pour l'appel de Skype. Voilà, nous avons une appel Skype. Attention, messieurs dames, nous avons joué sur l'appel Skype. Et c'est le répondeur. Loris, big. Mais pourquoi il...